Mesdames et messieurs, bienvenue au grand duel de la LNI. Un master, un grand chelem, un immense tournoi d'improvisation dans lequel 16 géants se battent pour le titre de meilleur improvisateur au Québec. Ce soir, vous allez voir d'abord en rouge. Au classement général de la LNI, sur 33 ans et 307 joueurs, il est classé numéro 1. Gagnant de 2 tournois individuels, il est notre tête de série numéro 2. Réal Bossé! Tête de série numéro 5. Elle a été battue l'an dernier en demi-finale par la championne en titre. Une joueuse habile, audacieuse, qui vient terminer une 10e saison dans la Ligue nationale d'improvisation. Accueillez avec moi Salomé Corbeau! On salue le travail de notre musicien, Monsieur Éric Guéranlo! Et pour arbitrer le match de ce soir, un homme qui, à coup de punition, pousse les joueurs à aller plus loin et à offrir un meilleur spectacle, Monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous! Une mixte pour 3 minutes, libre et qui a pour titre « Portes ouvertes ». Non, arrête! Tu vas briser mon linge! J'ai pas le droit de te laisser boisseux! Je veux passer, OK? Tu peux pas! Il se prépare une surprise! Et je peux pas dire de qui à qui! Menteur, rends-moi toutes mes poupées. OK, tu peux aller vérifier, mais si tu regardes... Est à nous deux, la cabane! Si tu regardes, ça se pourrait que tu gâches la surprise. Est-ce que t'as cette patience? Ben non, pas tellement. Ben c'est ça. Parce qu'ils l'ont dit à l'école que j'étais bavarde et impatiente. D'ailleurs, je vais retenir mon souffle, tu ne me laisses pas rentrer. Tu vas mourir si tu fais ça. T'as plus d'air dans le corps, tu vas mourir. T'as déjà plus d'idées dans ta tête. Laisse-moi rentrer, c'est stupide. Tu m'as volé mes poupées. Je suis sûre que t'es en train de faire une messe noire ou quelque chose. Un truc vaudou, tu les as saignées. T'as saigné toutes mes poupées, je te déteste. Je peux pas te le dire. Mais bon... Parce que si je te le dis, ça sera plus une surprise! Oui, mais c'est quand que je vais savoir que c'est quoi la surprise? OK, bientôt. T'es le frère jumeau le plus con du monde. Tu t'ennuierais si j'étais pas là? Garde, viens avec moi! Je vais te montrer. Tu vas me montrer quoi? Tiens-toi bien après la porte, c'est un truc qu'il faut que tu te tiennes après la porte. Oh, c'est spécial, t'as mis des peintures? Ciao! Mais voyons donc, c'est bien super! Ah ouais, la jumelle, regarde! Ça, c'est la cabane avec toutes tes poupées que t'as eues depuis que t'es au monde. Ben oui, regardons, il y a celle en chiffon que j'avais fait de caca dessus. Oui. C'est toute parole de grandeur ou d'odeur. Ça dépend. Ah, il y a celle-là que t'en avais une pareille, mais que de la tienne, tu l'as flushée. Non, ça, c'est pas la tienne. Je te l'ai pas, c'est la mienne. Je l'ai pas flushée jamais. Je l'ai pas détruit, OK? Ça existe pas. Là, c'est toujours la mienne. C'est pas grave. T'avais ça à vivre dans ta vie. La crise du nom à 2 ans, tout le monde passe par là. Comment ça, t'en as pas eu? Ben, parce que j'avais la tienne, je vivais par procuration. Non, parce que t'étais la fille. Puis la fille, par analogie, ça dit toujours oui. Non. Oui, papa, je suis la plus non, belle, regardez, oui. Je dis non, puis check-moi bien à 14 ans de casser la gueule. Ouais, mais tu t'apprends quand c'est 16 ans, quand les hormones m'ont pris le place, je vais te faire le nez. Égal avec le front, toi. Ça se peut-tu divorcer de son frère jumeau? Ça se peut pas, t'es avec moi pour toujours. Je te déteste. Je t'ai mis un cadeau quelque part, faut que tu le trouves. Il y a tes poupées, mais à côté, il y a quelque chose. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Ça donne bien, c'est notre fête. Bonne fête, les jumeaux. Bonne fête, les jumeaux. On chante faux, honestie, les jumeaux. Hey, attends! J'ai pas ouvert encore, je vais juste étirer un petit peu. Moi, dans ma main, j'ai un cadenas. Puis moi, dans ma main, j'ai une clé. Oui, on peut barrer la porte de la cabane! Si on perd la clé, on est coincé. Mais en même temps... Hey! Ça sert à rien, un cadenas barré, votre clé. On fait semblant qu'on peut pas sortir, il est barré le cadenas. Ah, on peut pas sortir. Oui, mais on va grandir, à un moment donné, on pourra pas rien que manger des poupées boutchou. Pourquoi on sortirait de site? On va se faire manger. On a plein notre casse d'être ensemble. Hey, je suis allé à l'école, hein? Oui. Je suis allé à l'école, je suis passé par l'arrière, puis dans le cours d'école, il y avait la première année.
Ouais. Il parlait de choses que je comprenais même pas. Ça m'intéresse pas. C'est normal, on est en maternelle, grand cave. Je sais, mais ça m'intéresse pas. Je veux pas savoir mais ce qui se passe en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Ça m'intéresse pas. Je veux passer ma vie avec toi. Je veux pas m'en aller. Mais moi aussi, je vais y aller en première année. Puis tu vas te trouver un chum. Ah, oh, je le sais, t'es comme ça, maudite cochonne! S'il vous plaît, sur cette première improvisation à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote. Point bossé. Une comparée pour 1 minute 30 secondes, chantée à la manière du raï ou d'une bossa nova, et qui a pour titre pour la troisième fois. Alors, suite à un tirage au sort d'avant-match, le numéro 8, Corbeau, a hérité du premier choix. Corbeau. Corbeau? Corbeau, raï. Raï ou bossa nova? Bossa nova. Corbeau, bossa nova. Esta la tres vez que vengo aquí. Me gustó el ritmo de bandito. La prison, le lieu de toutes les perditions. J'ai fait exprès pour me faire pogner, parce que me noter, c'est plus agréable et je suis plus excitée. C'est la troisième fois qu'on me voit emprisonnée. Mais j'aime bien être dans la cour au soleil clôturée. Le soleil me brûle et ma peau basanée me rappelle toutes ces années. C'est la troisième ébaisse que je suis emprisonnée. Mais j'ai fait une très grosse bêtise. Je suis emprisonné pour toute la vie. Alors, je vais mourir ici au soleil dans la cour. La troisième fois que je la verrai, ah, je la prendrai pour épouser ensemble. Oh, on s'aimera toujours pour l'éternité, yeah, sur le chameau. Sur cette comparée, chantez votre vote. Point bossé.
Si vous demandez à Salomé Corbeau si elle aime les improvisations chantées, elle va vous répondre assurément qu'elle les déteste. Et pourtant, avant ce match, elle était en avance sur Réal Bossier en ce qui concerne les improvisations chantées solo. 29 % contre 25 % d'efficacité. Ce n'est pas une bonne moyenne ni d'un bord ni de l'autre, mais quand même, elle était en avance. Beaucoup d'énergie déployée dans ces deux premières improvisations. Ça va très bien. Réal Bossier mène le match déjà 2 à 0. On retourne aux joueurs, au match et à notre arbitre, Yvan Ponton. Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre « Ces choses honteuses ». Vous n'avez pas à venir ici, vous le savez très bien. Laissez-moi me reposer, je suis lasse. Je ne suis pas totalement là, je suis un peu en retrait, si vous avez remarqué. Oui, mais à la grandeur et à la grosseur que vous avez, même en retrait, vous paraissez énorme. Vous m'épuisez. J'ai demandé à être seule. Je ne peux pas. Vous êtes la promise du roi, je ne peux pas vous laisser seule. J'ai nul besoin d'un garde du corps. Je ne suis pas votre garde du corps, je suis votre conseiller matrimonial. Ah, oh, vous me lassez. Je n'en peux plus de vos histoires, mon trousseau, le jupon. Oui. Il faut que je porte absolument des boucles de perles, d'eau douce et blablabla et blablabla et blablabla. Je ne l'aime pas, ce foutu roi. Et l'étiquette? Quelle étiquette? Pas celle derrière le chandail. Je sais bien. L'étiquette? Celle que je devrais respecter à table, les couverts d'argent. Comment bon, à table, c'est assez facile. C'est dans le lit que ça se corse. Ce sont des choses qui ne vous ne regardent pas, Gontran. Désolé, mais oui. Non, ce ne sont pas de vos affaires. Je suis envoyé par le roi. Et qui vous dit que j'ai besoin de leçons? Pour vous essayer. Vous voulez dire que vous êtes venu ici m'instruire au même titre que vous m'avez instruit avec les petites cuillères d'argent? Si oui. Vous pensez que je vais vous tripoter avec le doigt levé, c'est non! Que vous êtes présomptueuse! Je ne suis pas présomptueuse, je suis la promise du roi, j'ai bien le droit de... d'être ce que je suis! Ceci est le lit. Nous sommes présentement marchant sur les édredons. C'est ce qu'on appelle un lit king. Oui, un lit pour roi. Maintenant, il est... de coutume, que le roi s'installe au centre. Fini les galipettes, vous êtes une dame maintenant. Je ne veux pas, tout ce que je sais faire dans un lit, c'est sauter, faire des galipettes, dormir, faire des cauchemars. Sauter, c'est une bonne chose. Il faut sauter dans un lit. Sauter, même pas n'importe où, n'importe comment. Il faut sauter à la bonne place, au bon endroit. Je n'ai aucune envie de sauter, que ce soit sur le roi, à côté du roi. Je ne veux pas sauter le roi. Avez-vous déjà vu le roi? Oui, j'ai vu le roi. Il a 15 ans, il a les cheveux blonds, il est immonde de boutons. Il pue la juvénilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais il pue. Il est allé en voyage. Il s'est fait refaire un visage. Et le voici. Gontran, vous êtes le roi. Ah non, j'ai eu peur. Non, je ne suis pas le roi. Non. J'ai cru un instant que c'était vous le roi. J'ai déjà espéré être le roi, mais de toute façon... Vous avez un écart entre les dents, ce n'est pas noble. Je suis homosexuel, de toute façon. Vous êtes homosexuel, Gontran, oui. Mais pourquoi ne me pas l'avoir dit plus tôt? Je ne peux pas vous le dire. Mais maintenant que je le sais, alors... Vous ne le savez pas. Je ne sais rien. Ah, mais il est encore plus laid qu'avant. Il faut aimer cet homme. Il a l'air d'une jeune fille avec son truc sur le côté. Il va m'assassiner si vous ne l'aimez pas. Je ne suis pas là pour l'aimer, je suis là pour lui donner un dauphin. Ah, et moi je suis là pour sauver ma vie. Alors vous allez l'aimer, ou bien je... Et si vous aimiez le roi, une fois, ça s'est déjà vu. Je veux dire, dans la nuit, on met le même parfum, on ferme les lumières et vous prenez ma place. Comme vous, je n'ai pas de sein, c'est parfait. Ah, mais il oui. Ne verra que du feu. Et j'ai la fesse velue. Mais moi aussi. Oh. Gontran, vous êtes un conseiller matrimonial. Entre filles, on se comprend. Désolé. Ressaisissez-vous, Gontran. Je ne peux pas, je suis devenu... Vous avez quand même une moustache pointue à la tête. Mais vous aussi, un peu, quand même. Oh, si. De profil, on la voit bien. Je la ferai enlever à la cire d'abeille le jour du mariage. Moi, je vais me la camoufler dans le nez. Comme ça, il ne verra rien du tout. Je serai à côté, dans le panier d'osier. Et vous me direz quoi faire, quoi me dire et tout. Non, vous serez comme une marionnette. Et moi, le ventriloque, je mettrai les sons. Parce que si vous vous mettez à râler avec votre grosse voix de centaure, il va bien se rendre compte que... Ça dépend, je peux avoir cette voix-ci. Il y a de l'écho. C'est le vizir. Si ça se trouve, nous sommes déjà découverts. Outrant, cette nuit de noces...
Vous serez à la hauteur? J'espère. Allez sur cette improvisation ensemble, votre vote. Point Corbeau. Une mixte pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre « Faisons semblant ». J'ai des ailes piquantes, si tu veux. Comment? Est-ce qu'il est partout, Plécanec? Est-ce qu'il est partout? Arrête de faire semblant! Quoi? J'aime t'aille ça, là! Ça, t'ailles ça! T'as toujours haï ça! J'aime ça, là, OK. Garde-les! C'est plate qu'André Costitine a arrêté de faire de la poudre parce que il est pas là, man. Il est pas là. Hey, oh! Come on, les boys! C'est les Panthers! C'est plate, les Panthers! Come on! Rentrez-leur dedans! OK. Où c'est que tu t'en vas comme ça? Je m'en vais loin de notre couple. Ouh, garde une aile piquante. OK, ben je vais me mettre à triffer, moi, ces robes. Ou sur la cuisine fine. C'est pas en fuyant qu'on va régler notre gros problème d'identité qu'on a, pis toi pis moi, là. C'est entre nous autres que ça se règle, pas entre toi pis l'équipe du Canadien. OK, c'est bon. Et le but, Pierre-Route, il y a quand même une façon de dire ça. Qu'est-ce que tu fais avec la TV? C'est ma TV, c'est moi qui l'ai acheté. Et je commence à faire mes valises. Je quitte. Oh! C'est à moi de s'en faire là! Devrait le changer avant de partir, il va sentir mauvais à long. Ailleurs, hein? Mais c'est une joke, papa, il s'en va pas pour vrai, il fait ça tous les vendredis. Hey! Quoi? Mais ce vendredi, papa, il est vraiment sincère! Il fait plus semblant, là, il est vraiment en colère! Il est tanné! Papa, il est tanné! Papa, il est tanné! Et il n'a pas besoin de monter sur le dessus du pont Jean-Cartier pour huler. Je suis même plus capable de le dire tellement j'ai plus de voix! Je suis en colère! Ça, c'est mon chien. As-tu remarqué que je regardais le pas de télé? Depuis tantôt que je... Non! Non, non, puis tu viens avec moi! Je laisse à personne d'autre! T'es ma femme! Ma femme! Quand on quitte sa femme, on laisse sa femme là, puis on prend les objets qui valent de l'argent. On quitte tout ce qu'on n'aime pas de notre femme. Mais on garde l'essentiel de la femme, ton corps, ma chérie! Hey, tu me fais mal. Oui, c'est normal. Non, tu me fais vraiment mal. Je fais exprès. On va arrêter de faire semblant, là. On s'aime-tu ou on s'aime pas? Moi, je t'aime beaucoup des fois. Ben, moi aussi, je t'aime beaucoup des fois. D'une façon claire et précise, votre vote. Point bossé. Messieurs, des propositions fortes, que les joueurs réussissent à jouer de façon incarnée. Ils intègrent même des petites niaiseries au travers de leurs improvisations. Un leaking, une moustache qui rentre dans le nez et qui ressort, c'est extraordinaire. Et ça paraît dans le vote, la dernière improvisation, c'est joué par un seul vote, mesdames et messieurs. C'est 3-1, bossé, de retour au match! Une comparée pour 1 minute libre et qui a pour titre « Notre Terre ». Bossé! Pendant que vous autres, vous pensez que vous êtes à Montréal, vous êtes chez nous. Moi, je suis un Iroquois. J'ai pas l'air de ça, mais je suis descendance iroquoise. Je sais encore les chants traditionnels, je peux te les chanter de même, n'importe quand. Je sais comment ça marche un canot. En écorce, en bouleau ou en plastique de chez Canadian Tire. Je connais ça, les canots, je connais ça. Les orignaux. Je connais ça, les pièges à castor. Je connais ça, les rivières. Je connais ça, les arbres. Je connais ça, la mousse et roches pour me dire où est-ce qu'il est le nord.
Je connais des histoires, ça m'est même pas idée que j'ai dans la tête. Comme celle de la petite charrue là, qui se prenait pour une moissonneuse-batteuse. Je connais des affaires que vous ne saurez jamais. Parce qu'on dirait que ça vous intéresse pas. Chère Élisabeth, j'ai bien reçu ta dernière lettre. Le récit de ta vie est passionnant, même si parfois je pleure. Chère Marie-Julie, je t'écris et c'est pour moi source de bonheur. Ici, tout va bien. C'est une Québécoise de 84 ans qui s'occupe de l'orphelinat. Elle est drôle, elle fait ce qu'elle appelle du sucre à la crème qui fond tout de suite parce qu'il fait trop chaud. Depuis le jour où j'ai perdu mon père et ma mère, cette dame la remplace à merveille. Dans ses lunettes, il y a une lueur de soleil, comme s'il manquait de soleil ici. Mon île est grande et vaste, mais il manque d'arbres. Un jour, j'irai voir les arbres chez toi. Ici, les rivières sont petites et infestées par le choléra. Chez toi, elles sont grandes et elles allument les maisons. Je t'aime, au plaisir de te lire. Sur cette comparée, votre vote. Point Corbeau. Une mixte pour 3 minutes 30 secondes à la manière d'un soap américain et qui a pour titre l'exode de Tétroville. Oh, Terry, toujours à te plaindre, toujours à te plaindre. Mais c'est toi qui voulais qu'on vienne ici, dans cette campagne maudite où il fait humide. Arrête! Oh, oh, salaud! Je suis venu à Tétroville, c'est que j'y étais obligé. Brad! Encore lui? Oui, le salopard. Laisse mon frère en dehors de tout ça. Tout ce qu'il y a de bon ici, c'est le whisky. Oh. Arrête de boire et de mélanger les pilules. La nuit, tu dors et tu dis des choses. Si nous sommes venus à Tétroville, c'est que nous fûmes bannis. Oui. Bannis? Bannis de la grande ville. Terry et Brandon, bannis? Impossible. Oui, Brad en a décidé. Mon ainsi. Frère? Laisse mon frère en dehors de tout ça. Arrête, sinon je te frappe avec mon poing fermé. Je te frappe avec mon poing fermé. Je vois pas le prompteur. Ah! Si tu savais, Terry. Laisse mon frère en... Oh non, j'ai déjà dit. Si tu l'as déjà, c'est à mon tour. Terry, si tu savais comme je pouvais avoir un avenir dans cette ville extraordinaire, mais maintenant ici à Tétroville, c'est le paragraphe, c'est beaucoup trop long. À la fin, voilà, j'étais tout dit. Je te trompe, Brandon. Tu me trompes avec ton frère? Non! Tu as couché avec Brad? Mais non! Avec le maire de Tétroville. Celui qui ne fait que dire des âneries? Oui, mais c'est parce qu'il est si charmant. Il est surtout poilu et tu as toujours aimé le poil. Oui, depuis que tu te fais épiler, notre coupe n'est plus le même. Tu t'es trompé de réplique. Non, tais-toi. Il n'y a rien de ce côté. Mais justement, ta gueule. J'ai besoin d'un scotch. Et c'est pas c'est l'acteur qui parle. J'ai besoin de boire. Laisse-moi traquer, je suis alcoolique. C'est dit que t'es glacé. Ce sont des accessoires, connard. Que tu crois? J'en peux plus de travailler avec lui. Il y a longtemps que j'ai changé le thé glacé pour du vrai scotch. Jack Daniel. Elle est où, ma grosse maquilleuse? À qui je peux tout raconter? On l'a bouffé hier, ta grosse maquilleuse. On s'en est débarrassé. C'était une arabe. Et à Tétroville, il n'y a pas question d'arabe. Tout le monde sait ça. Ça vire au cauchemar, cette histoire. Je veux sortir. Depuis quand le décor? Coincé dans le décor. Nous n'avons plus d'intégrité humaine. Nous sommes des personnages. Hé, hey, le caméraman, tu peux me sortir d'ici, toi, viens. Je vais prendre la caméra. Toi, tu vas jouer, d'accord? Tiens, voilà. Alors, tu me donnes ça. C'est complètement ridicule. Voilà.
Allez, tu vas les émouvoir et le gagner, ton putain. Le caméraman, il ferme sa gueule d'habitude. Tu as voulu quitter le plateau. Eh bien, soit. Oui, j'ai aimé cette femme. Oui, je l'ai aimée. Oui, j'ai aimé cette femme. Il faut que tu te regardes. Regardez. Attention, ça vaut une fortune, ce truc. On s'en fout. Il n'y a qu'à suivre. Ensemble. Nous avions une vie avant. Oui. Mais maintenant, qui sommes-nous? La célébrité nous a corrompus. S'il vous plaît, votre vote. Point Corbeau. Ça prend pour réussir des improvisations, ça prend des beaux personnages, des bonnes histoires et une certaine dose de talent dans l'exécution. On a tout ça ce soir, c'est incroyable. Le public s'est levé lors de la dernière improvisation. Bravo, Salomé. Merci. Bravo, Réal. Vous jouez en solo. Est-ce que vous vous ennuyez parfois des 5 joueurs qui vous côtoient à la LNI quand vous jouez à 6, Réal, peut-être? En fait, on s'ennuie pas parce qu'en face, on a un joueur extraordinaire en face. Donc, dans mon cas, c'est Salomé. Oui. Je peux pas m'ennuyer de personne, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire les plus belles impros du monde. Donc. Salomé, tu t'as dit que pour battre Réal Bossé, il faudrait que tu te transformes, que tu sois prête à donner des coups en bas de la ceinture, à lui mordre une oreille. Oui. Tu te prends pour Mike Tyson, je sais pas trop. Mais c'est-à-dire que pour c'est moi... C'est pas ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Non, mais c'était une figure de style. C'est-à-dire que pour battre Réal, je pense qu'il faudrait que je sois majestueuse, gigantesque, bourrée de talent plus que j'en ai moi-même. Il faudrait que je sois Réal et moi multipliés par 4 pour finir par le battre, cet enfant-là. Fait que je me suis dit, tant qu'à ça, c'est trop compliqué, je vais y mordre une oreille ou bien donner un coup de pied là où ça fait mal. Mais c'est 3 à 3, ça va très bien. Oui, hein? Oui, mais oui. Je te dirais, attends, on va te sortir les coups bas. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette formule-là, un contre un, par rapport au match à 6? Ah, une chienne pas possible. Oui? Oui, parce que normalement, à 6, c'est les impros où t'es moins habile ou que t'aimes moins. Tu les passes à un ami qui, lui, en fait son pain, son beurre. Je fais jamais les chanter, moi, quand c'est on ça. Est 6. Jamais. Ouais, tu t'en es bien sorti. Non, c'est ça. Fait que là, on n'a pas le choix. L'assiette, faut la manger au complet. Donc, il faut finir l'assiette, en plus. Donc, c'est ça, le fun. Et en même temps, le bad trip. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la patinoire. Oui. Oui. Bonne fin de partie à vous deux. Et vous savez, Réal Bossé et Salomé Corbeau, ce sont deux joueurs qui en sont à leur 7e participation à un tournoi de ce genre en 1 contre 1. C'est un record qu'ils partagent avec Caron et Vanas. Alors, on leur souhaite bonne chance. Ça va très, très bien. Et je me fais un plaisir fou à les regarder. Alors, c'est 3-3 de retour à la patinoire aux joueurs et à notre arbitre, Yvan Ponton. Une comparée pour 2 minutes 30 secondes libre et qui apporte titre Créature nocturne. Corbeau. 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 Désolé, Michael. Le goût de l'Américain moyen, le sang légèrement saturé de gras trans, comme s'il avait mangé un BLT. 21e siècle. Ah, comme ça fait longtemps que j'existe. Tout a commencé une chaude nuit d'été au carnaval. J'étais belle, une robe de satin bleu. Et ce jeune homme étranger qui arrivait sur un grand cheval, plus grand que les autres. Il m'a souri et moi naïve. Dans le premier buisson, je me suis allongée. Quelques minutes après, j'étais éternelle. Mordue.
Fini, la jeune fille qui vivait le jour, allait coudre avec ses amis, broder en prenant le thé. Non, les rayons du soleil m'étaient interdits. Et la nuit, je sortais guettant un paysan égaré venu trouver son âne et je le mordais sauvagement. À cette époque-là, les hommes américains dans la quarantaine n'avaient pas autant de gras trans dans le sang. Non, le taux de cholestérol était bien moins élevé à cette époque. Et puis, les siècles ont passé, il y a eu les années 20. C'était amusant. En 1929, j'attrapais les banquiers au vol. Délicieux, le banquier déprimé. Adorable. Et puis, il y a eu la guerre. Alors là, il m'a fallu croquer les filles. Péché, s'il en est un. Le vampire n'est pas homosexuel. Non, croquer une fille, c'est... Ça goûte le savon, le muguet, ça laisse de la dentelle entre les dents, c'est désagréable. Et puis est arrivé l'an 2000. À chaque fois que je croque un jeune homme, je suis sur l'ecstasy pendant 2 semaines. Toutes les veilles de pleine lune, je fais le même rêve. Et ce soir, c'est la pleine lune. Non, je ne veux pas me transformer encore. Toutes ces horreurs, j'ai mangé des femmes, des enfants, des chats, des chiens. Même toute une équipe de baseball. Pourquoi moi? Calme-toi. Ne provoque pas la chose. Peut-être qu'il y aura une éclipse. Peut-être qu'il n'y aura pas de pleine lune. Je ne me transforme. Au secours, je dois appeler à l'aide. Oh, même le destin refuse que je demande de l'aide. Oh non, ça commence. S'il vous plaît, sur cette comparée, votre vote. Bosser. On dit souvent que pour gagner dans ce genre de tournoi, il faut rester soi-même et jouer dans ses forces. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe depuis quelques improvisations. On a commencé avec des improvisations plus classiques, mais depuis la comparée, notre terre, j'ai vu Salomé Corbeau jouer dans ses forces, créer des personnages comme elle aime les créer, travailler ses structures et ça paye. Elle gagne ses improvisations. Elle pousse Réal Bossé aussi à sortir ses grands armements. Dans la dernière improvisation, on l'a vu faire une grande sans-parole comme il sait le faire. C'est un très, très beau match, mesdames et messieurs. C'est 4-3 pour Réal Bossé. Que quelques improvisations dans cette partie.
Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Mesdames et messieurs ». Mesdames et messieurs, pour vous, et pour vous seulement, cette semaine, à Berlin, à Paris, ce soir, la grande et divine... Ah, tais-toi. Tout s'est arrêté. Je ne suis plus grande, je ne suis plus divine, je suis déchue, vieille. Quelle robe allez-vous porter ce soir, madame? La bleue, la rouge ou la verte pleine d'espoir. Allez, madame, il faut encore une fois, allez. Je ne veux plus, je ne suis plus rien. Je tremble, j'oublie, j'ai mal au cœur. Je soufflerai vos mots. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Claude, tant d'années à être à mon service. Laissez-moi. Je suis devenue osseuse. Cette robe ne me va plus. Je ferai en sorte qu'elle vous sied à merveille encore. Mon talent s'est fané, mon talent s'est flétri. Je ne veux pas y aller, Claude, je ne veux plus y aller. Je n'ai plus rien à donner, ils m'ont siphonné, vidé. Que l'on apporte mon trône. Non, je ne veux pas. Je suis maintenant la reine de cette Angleterre, de cet Albion, de cette île, de Mars. Je ne suis ni une reine d'Angleterre, ni une actrice shakespearienne. Vous êtes une actrice! Non! Pour la première fois de sa vie, elle annule une représentation. Je ne veux pas répondre aux journalistes, allez-vous-en. Ce soir, Shakespeare ne sera pas joué. Cordélia n'apparaîtra pas en scène. Lear pleure sa fille qui quitte l'espace. Shakespeare aurait voulu que je reste dans ma loge. Je n'étais pas digne de ces mots ce soir, Claude. Je n'étais pas digne d'être sur ces planches sacrées. Et je n'étais pas digne de toi, mon fidèle, vous mon êtes ami. Vous êtes plus grande. Que ceci. Vous êtes au-delà de toute apparence. J'oublie. Vous êtes l'actrice que j'ai portée à bout de bras, que j'ai vêtue, que j'ai déshabillée, que j'ai tant aimée. J'oublie. Vous avez le talent que je n'aurai jamais. Vous avez un talent humain. Vous êtes un grand humaniste. Vous avez l'humilité, la patience, la sagesse. Je vous porterai en scène. Dussé-je en mourir? J'oublie, Claude. De mes 95 ans, je vous porterai. Il est trop tard, Claude. Oh. Le médecin me l'a dit. Chaque jour, j'en oublierai un peu plus. Tous les mots s'effaceront. La couleur de vos yeux, la couleur de mes robes. Ma fille, Cordélia, ma fille. Cette couronne sur ma tête. Est-ce-moi ton père qui a voulu ceci? Le fardeau. Le poids des mots. Va, mon ange, va. Envole-toi. Quitte ce monde. S'il vous plaît, osez voter. Point Corbeau. Est-ce que le score est égal à ce stade-ci du match? Nous sommes maintenant en prolongation. Une mixte pour 2 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre Goutte à goutte. Faut que tu te fasses confiance. Mais je suis pas capable. T'es capable. Non, on dirait que j'ai plus de poids par là. Bouge pas. Et on dort, toi, maudit malade. D'un coup que j'aurais eu la hockey, t'aurais eu la levain. Non. Et je suis vraiment pas capable. Faut que tu montes. Mais... Faut que tu montes. Si tu veux te suicider, faut que tu montes sur le parapet. Mais oui, mais... Écoute, c'est ça l'échelle de Jacob, ma chérie. Barreau après barreau. Morceau après morceau. T'arrives au bout de ta vie que t'aimes pas, puis tu te crisses en bas.
Oui, mais morceau par morceau, encore faut-il que le fardeau soit pas trop lourd pour te traîner à terre et que tu finisses par juste boire de la bière pour le restant de tes jours. Non. Ça fait longtemps que tu veux te suicider, c'est aujourd'hui qu'on règle ça. Oui, mais dans mon livre à moi, je me suicidais, tu sais, petit bout par petit bout. Tu sais, je me coupais un pied, puis là, je le laissais mourir. Non, mais, tu sais... Je me coupais l'autre pied. Maintenant, il faut que t'assumes. Non, mais... Tous tes amis sont à bout. Il va falloir que tu enlèves ta vie dedans ton corps. D'un coup, je changerai d'idée à la dernière minute. Tu peux pas changer d'idée. J'ai été mandaté pour toute ta gang d'amis pour qu'aujourd'hui, que je te suicide, puis on va y aller aux danses. Ça s'appelle un meurtre. Non, mais ça paraîtra pas, c'est un accident. T'es en haut, t'es tombé. Oh mon Dieu, c'est quel dommage. Oui, mais si je tombe sur le bout qui était dur à remonter, ça se peut que je meurs pas, il est tellement gros que pour mes. Mais tu rebondiras, tu feras une fracture du crâne en dessous de la corniche. Come on! Il faut que tu meurs! Hey, oh. C'est la dépression dans la gang! Et puis personne ne peut sortir avec toi! Mais je peux changer juste d'amis. T'as essayé? Oui, mais je les ai déprimés les autres. C'est ça. Fait que, quand est-ce que tu sautes? J'ai mis de la roche, puis tu te manqueras pas! Oui, j'aimerais ça que tu mettes des pics aussi. Pas de problème, moi, t'aiguiser un pieu comme t'as jamais vu ça. Je m'excuse d'avoir été désagréable, mais tu sais, quand on est pour un petit pain, on décide de faire chier le monde juste parce que ça fait ben, du bien. C'est ça, t'as trop fait chier le monde morceau par petit bout, on est à bout de petits morceaux, tu comprends? Et si moi, là, petit morceau par petit morceau, j'essaie de tout vous recoller. Tu espères? Non, mais écoute, tout ce qu'on peut faire avec un glue gun, imagine, avec un peu d'amour. Hey! C'est pas à l'amour chaud qu'on colle les affaires. Si tu veux vraiment là, rafistoler ta gang, va falloir que tu te crisses en bas. Fais-le pour moi, je t'aime tellement. Pénalité au numéro 8, Corbeau, et au numéro 12, Bossé, pour non-respect du thème et retard de jeu. Et vous avez arrêté de jouer, vous avez commencé à parler, et c'est ce que ça donne. Dommage. Alors, sur cette improvisation, et nous sommes en prolongation, ils font leur possible, OK? Pardonnez-leur. Votre vote! Point et match, Bossé! Mesdames et messieurs, Réal Bossé qui passe en quart de finale! Réal Salomé, je vous invite à venir me rejoindre. Réal, est-ce qu'on se prépare différemment pour un quart de finale? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux explorer que tu n'as pas fait ce soir? Bien, je vais continuer à travailler avec Salomé, on va faire des heures supplémentaires. Non, en fait, si on avait toujours le droit d'avoir ce type de joueur-là en face, et là, je parle de Salomé Corbeau, qui est une travailleuse de fond, infatigable, qui travaille sur la trame, sur l'histoire. Donc, c'est facile de jouer avec une femme extraordinaire comme ça. Et c'est pas pour lui lancer des fleurs, là. On est au-delà de ça maintenant, ma belle. Donc, non, mais c'est vraiment une femme extraordinaire, une des plus grandes de la LNI, si, selon moi, c'est la meilleure. Et merci beaucoup. Merci, Salomé Corbeau. Alors, Réal, on se retrouve en quart de finale. Merci à vous deux. Yvan, très beau témoignage de Réal Bossé à la fin du match. Je vous sembliez d'accord avec lui. J'imagine que oui. Il est très, très rare, à mon sens. On connaît bien Bossé, toi et moi, qui parle au travers son chapeau. Oui. Et quand il dit que Corbeau est la meilleure, il a raison parce que ça me rappelle que Gravel, quand il a créé le concept de ce jeu, il pensait justement à des joueurs et à des joueuses comme Corbeau. Maintenant, écoute, il y a ce match-là, ça n'a pas été juste quelques tranches, ça et là. C'était autrement dit le temps des thèmes. Ça a été un ensemble. Ils ont construit ça jusqu'à Shakespeare, et je pense même qu'inconsciemment, ils voulaient à la fin mourir tous les deux. Ils voulaient clore tout ça. Ils ont raté le coche un tout petit peu, mais je veux dire, pour moi, c'est vraiment quel exemple que ce match-là. Et vous n'avez pas manqué de souligner, là, justement, ce petit accroc à la fin. On vous reconnaît bien, Yvan? Merci beaucoup, Yvan. Je vous laisse aller vous reposer. Merci. Et vous, je vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour la suite de ces grands duels de la LNU. À très bientôt. Au revoir.